Donc on part direct au Cloud Youngling. Cloud Youngling qui a... Oula. Oula oula oula. Donc au Cloud Youngling, bah, on connaît quel matchup, hein, c'est Cloud évidemment. Pourquoi est-ce qu'on suppose? Bah non. C'est bon. Malgré tout, bah, les... en fait les pneus sont facilement clamp par l'épée de Cloud. Après il a plus de range que Youngling normal. Voilà quoi. Après Youngling t'as pas répondu, il arrive au corps à corps, normalement il y a une meilleure frame d'attaque que Cloud. Non mais pourquoi il y a personne là? Fais gaffe, ça change. Ah non, c'est censé mettre le bracket. T'as déjà vu? Ah en fait il n'y a pas été actualisé encore je pense. Ah oui. Non, c'est qui là du coup? Mizu. Pas plus de bracket. Actualise le bracket, on l'a pas sur stream. Ok. Tranquille. Donc ouais, bah pour le second de la part de Kupivara par un gros smash. Putain, pire. Ouais, Kupivara pour du Youngling. En vrai, je ferais très bien. Kupivara, voilà. Oh. Ah oui, non mais... Bah, tu peux mettre un bon le... Ouais, je vois que ça, en fait, on peut l'avoir pour... Ouais. Okay. Non, t'inquiète. Ouais, mais du coup, on l'a pas sur le bracket. Okay. D'accord, ok. Oh, le chef. Dash attack, tu prends la première stock. Dash attack. Bon, on a réussi à faire un petit écart 50%. En vrai, ça fera pas facile. Y'a Kounia qui joue Cloud. Il joue toujours Cloud. Hein. J'ai jamais vu en fait jouer Byakuya lui. Mais il joue toujours Cloud. Hein. Ah. Bah, il compte du coup avec Agit. Ou alors. Kaitena. Ok. Il est connu Kapivara. C'est la première fois que je le vois, mais il est chaud. Alors, Kapivara, il est connu. Mizu le connaissait pour toi. Ah ouais. Moi, je le connaissais pas. C'est pour ça qu'il est si bien si de Kapivara. Ouais, pareil, je le connais. Et je croyais qu'il décide. Non, il décide en dessous de Byakuya, je crois. Ouais. Ah, Byakuya qui reste quand même chaud. Hein. Ouais, bien sûr. Normalement tu peux le mettre à jour maintenant mais c'est bon? Ouais. Alors. Oui normalement il est connu Kapivara, il est très bon, mettre à jour. Non, attends. Bracket bien. Hop. Et là tu enlèves le. Ah c'est bon. Ah bah. Oh là là. C'est parfait. En plein live. Ok. Normalement ça devrait être bon hein. Ok. Ok c'est parti. Oh merde. Il prend la stun de Byakuya. 1-1, du coup ça revient sur de bonnes bases, ça va se jouer la stock. Ah j'aurais dû rester, je la joue avant. Trop mal joué en plus. Ah mais ça arrive hein. Ah ouais c'est ça, t'as une pause de mur. Ah oui non mais c'est horrible hein. Ah ouais, d'accord. Plus jamais hein. Oh c'est pas grave. Moi je fais 5ème. Au moins. Ouais. Tu vas être de base, tu m'attendais pas à faire une bonne carte. Attends, on va le faire, c'est bon. Qui s'appelle moi je suis en casque pour l'instant donc bah écoute je pars en casque. Ouais. Il y a plein de joueurs si tu veux, vas-y. Il y en a plein vraiment. Mais cette tête de crypto commence à se libérer, c'est bien, ça veut dire que. Ça se libère tout mal. Certes oui. Yeah. Oh première game en V pour eux, Byakuya. Ah on sort de ça. Ok, hop, je m'en vais. Ok. On rappelle c'est BO3. BO3 tout le monde. Yo. BO5. Ah non BO3. C'est BO3 hein. Ouais. Je crois ils le savent. Attends, c'est expliqué dans les règles. C'est la game. On a encore qui a pris la game. Là c'est bien Chloé qui a pris la game. Allez c'est parti. Ah, on s'est crapaud mais remis hein. Je suis en mode big bobito là. Yam yam. Allez c'est parti. Full screen, let's go. Cloud Youngling au secours. Alors Kapivara c'est un joueur d'Anien hein, si je me trompe pas. Je sais pas, franchement je le connaissais même pas avant. Même Kiryu le connaissait pas. Je crois que c'est un joueur d'Amien, il me semble qu'il fait beaucoup de le wiki à Amien. Hein? Ouais, je crois que c'est un délire comme ça. Je me trompe peut-être. Bien couillé à Lidois. Il me semble que les deux se sont affrontés. Je sais pas. Moi je t'avoue que vraiment je le connaissais pas. Non mais là ils se sont affrontés je crois winner les deux. Ah ouais? Ouais il me semble.
Ah, donc en fait, il a déjà battu. Yakuya avait mis 2-0 à Capybara, je crois. Force. 6 et demi ou. Je vais comprendre peut-être. Je peux braquette dans les yeux. Attends, je vais le dire. Vas-y. Alors. Ah ouais, Capybara veut bien Yakuya. 2-0. Ouais, effectivement. Donc c'est leur. Après, il avait perdu contre Truman. C'est vraiment leur deuxième rencontre. Ouais. Que cette fois il a un peu mieux compris le match-up que Capybara, même si en vrai, même quand t'as compris le match-up, c'est trop dur quand même. Ouais. Hop, allez, 9%, ça continue. Oh, oh, c'est trop technique. Ouais, bah c'est même pas technique, c'est genre chouche. Le jeu est meilleur, c'est vraiment deux fois meilleur que ton adversaire pour pouvoir gagner dans ton club. Oh, donc tu te perds. Comme tu l'as mis en fait. Ouais. Soit deux fois meilleur que ton adversaire pour une. En fait, bien maintenant, je trouve que c'est plus winnable que. Parce qu'en fait, ouais. Tyranitar, c'est plus dur à jouer, tu vois. J'avoue. T'as plus dur à jouer pour être bon. C'est ça. Smash qui est tombé. Pas mal. Allez. Ouais, non, je pense que ça va être compliqué de la part de Kalevara. Parce que c'est Clouded. Clouded, exactement. Petit Clouded. Oh non, le pic est loupé. Oh, on tombe quand même un autre d'à côté. Oui, mais c'est normal, c'est Cloud. C'est Cloud. C'est Cloud. Qu'est-ce que je dis? Hop, hop. Barra qui cherche des interactions à prendre. Il va en trouver, hein. Ouais. Deux héros. Salut. Attends, sont là, Eros. Rien. C'est Théo qui s'en va. Ouais, Eros, le boss qui nous a aidé pendant l'organisation du bracket. Ouais. Et tout ça. Ah, t'as wing, tout ça. Oh, t'as voulu flex, dommage. Ça a été une belle séquence. T'as voulu un petit flex. En vrai, c'est trop fort, Link, enfin. Vraiment, t'imagines même pas le temps que je me prenais en stun là. C'est une dinguerie. Genre le upper. Voilà, ça. C'est trop fort. Le temps que la hitbox reste active, il est. Ouais, mais tu peux suivre l'air dodge, ça, c'est trop drôle. Oui, tu peux suivre l'air dodge avec le upper. Même avec. Link. Ouais. Là, on a essayé de rire de. Ah, dommage. Et ouais, il prend la gueule. Trop fort. Ok, bon, on peut enchaîner direct avec.